Les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Dans cette vidéo, les amis, je vais vous prouver que toutes les personnes qui me traitent, et du coup, vous traitent aussi de mecs efféminés, parce qu'on prend soin de notre peau, ont tort. Salut les mecs, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je vais vous prouver tout simplement qu'on peut avoir une belle peau en 2 minutes. Oui, seulement 2 minutes. Donc il n'y a plus d'excuses. Mais avant de commencer la vidéo, on va dire la bienvenue aux 2 derniers abonnés, les 2 petits noms juste ici. Bienvenue à vous. Petit récap pour toute personne qui tomberait sur cette vidéo et qui ne me connaisse pas via Instagram, Twitch, TikTok ou bien YouTube. Je suis tout simplement une personne lambda comme vous les amis, mais qui partage tout son lifestyle, soit grooming ou bien fashion. Sinon, j'ai 2 autres chaînes YouTube. La première qui s'appelle Pages Live, où je fais des vidéos réactions, et la deuxième qui s'appelle Pages Investissement, où je parle de mes débuts dans l'investissement et surtout vous dis comment faire réellement de l'argent sur internet. Alors les mecs, qu'est-ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo? Je vais pas vous mentir, c'est les haters. Parce que quand ils n'aiment pas quelque chose, ils commentent automatiquement, ils partagent automatiquement, et quand ils laissent des commentaires, quand c'est pas désobligeant voire insultant, genre ben c'est mec efféminé, tapette. Et quand ils ont fini de dire ça, bah, ils essayent de mentir sur toi. J'ai vu des commentaires du genre « J'ai acheté des produits chez lui, faut pas acheter, ça m'a flingué la peau, etc. etc. » Et quand je vais sur le compte du commentaire, tu vois que le compte a été créé le jour du commentaire. Ça fait beaucoup là quand même, un petit peu... C'est hallucinant les mecs. Bref, je vais vous montrer qu'ils ont complètement tort quand ils me traitent et vous traitent de mecs efféminés, soi-disant parce qu'on prend beaucoup de temps pour notre visage et deuxièmement qu'on utilise trop de produits qui ne servent à rien. Ok les amis, donc là j'ai fait ma routine ce matin, je me suis filmé, j'ai mis un compteur et vous allez voir le temps que ça m'a pris. Donc là les mecs, vous avez pu voir que ça m'a pris 2 minutes les mecs, 2 minutes. Si 2 minutes pour toi, c'est vraiment trop long et que c'est un mec efféminé qui utilise 2 minutes pour s'occuper de son visage, c'est que t'es un crade. Tu sais pourquoi? Parce que pour se brosser les dents, il faut minimum 2 minutes. Le mieux c'est 3 minutes. Donc si pour toi, 2 minutes s'occuper de son visage, c'est être efféminé,
c'est que tu te laves pas les dents, tu prends pas tout simplement 2 minutes pour te brosser les dents. Donc t'es un gros crade, mec. Ensuite, on va passer sur les produits que j'utilise. Et en plus, moi, on peut dire que j'ai une grosse routine. Parce que j'utilise un nettoyant visage, j'utilise la niacinamide, j'utilise des peptides et j'utilise la crème pour le visage et la crème SPF. 5 produits qui m'ont pris 2 minutes, les amis. Donc, si tu es quelqu'un qui a une routine basique avec un nettoyant visage, une crème pour le visage, une crème SPF, 3 produits, tu dépasses même pas les 1 minute 30, frérot. OK? Donc maintenant, je vais expliquer ma routine. Parce que maintenant que j'ai enlevé le mythe de « on prend trop de temps », on va passer sur le mythe « il utilise plein de produits qui ne servent à rien ». D'accord ? Ce que ces gens ne comprennent pas, c'est que chaque personne a une routine spécifique à ses problèmes. Parce que j'ai fait un short sur YouTube où j'utilisais tous mes produits. Et le mec dit « ah mais ce mec est efféminé, il utilise trop de produits, il n'a pas de problème de peau ». Ce qu'il n'a pas compris, c'est que si j'ai pas de problème de peau, c'est parce que j'utilise ces produits. Dans mes anciennes vidéos, je vous expliquais, j'avais des problèmes de pores dilatés, de peau grasse et d'excès de sébum. C'est grâce à mes routines que j'ai régulé ma peau. C'est ça qu'ils n'ont pas compris, tu vois. Donc, maintenant, je vais expliquer toute ma routine parce que moi, j'ai quand même 5 produits dans ma routine. Et ça m'a pris 2 minutes. J'ai le nettoyant visage, j'ai la niacinamide, j'ai le peptide, j'ai la crème pour le visage et la crème SPF. Bien sûr, la majorité des mecs qui vont me regarder n'ont pas besoin de tout ça. Les nouveautés qu'on m'a envoyées de chez The Ordinary, il y a la crème nettoyante et il y a la crème hydratante. Alors d'habitude, j'utilise un nettoyant visage de chez Horace ou bien de chez The Ordinary. Maintenant, il y a 3 nouveaux nettoyants visage. Il y a le squalane, il y a le gel douche, là, un genre de gel nettoyant, et maintenant, il y a la crème. Voilà. Je vais vous dire la différence de ces 3 gels nettoyants pour le visage. Le premier, c'est le squalane, sur lequel je vous ai vraiment fait plein de vidéos. Le problème du squalane, comme je le dis toujours, c'est que c'est un nettoyant visage qui s'utilise à sec. C'est-à-dire, ton visage est sec, tu le mets sur ton visage, tu frottes et tu rinces à l'eau chaude ou tiède. Ne rincez pas à l'eau froide, le produit ne va pas se retirer et du coup, vous allez encore l'avoir sur le visage. Du moment que ton visage glisse, c'est que le produit est encore là. Le deuxième produit que je vous ai présenté, c'était une sorte de gel nettoyant qui mousse bien et qui se rince facilement. Celui-là, franchement, il est nickel. Celui-là, c'est un entre-deux. C'est une crème nettoyant. Elle est un peu huileuse et son originalité est tout simplement qu'elle ne se rince pas. Elle s'essuie avec une serviette. Moi, aujourd'hui, pour ma routine, j'ai utilisé le gel nettoyant. Quand j'ai nettoyé mon visage, je passe sur la niacinamide. Niacinamide, c'est fait pour les imperfections, fait pour les boutons, etc. Voilà pourquoi moi, je l'utilise. Ensuite, j'utilise le peptide. Le peptide, c'est pour, on va dire, c'est un anti-âge. Je le répète, j'ai 42 ans, donc oui, moi, j'utilise des anti-âge parce que ma peau vieillit, on ne rajeunit pas. Ensuite, j'utilise une crème hydratante. D'habitude, j'utilise Horace ou bien The Ordinary, la crème HA. Là, c'est une nouvelle. Donc, celle-là, c'est une crème très nourrissante quand même, mais qui reste quand même légère. Donc, c'est parfait pour ce qui va arriver, l'été, il fasse chaud. Et comme tu as pu voir, elle est transparente. Voilà, ça, c'est la nouveauté de chez The Ordinary, celle qui vient de m'envoyer. Enfin, quand je finis ma routine, je mets quoi? Je mets une crème SPF. Une crème SPF, je le répète, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à bloquer les rayons du soleil. Parce que, je vous l'ai dit plein de fois, les amis, la première cause de vieillissement de votre peau après la génétique, c'est les rayons du soleil. C'est pour ça que je vous tanne à vous mettre une crème SPF. OK, les amis? Et sinon, si pour vous, c'est trop de mettre une crème hydratante et ensuite une crème SPF, mettez une crème hydratante qui fait crème SPF. Chez la Roche-Posay, je vous ai déjà dit, il y en a une qui est parfaite. Allez-y, je vous mets le lien dans la barre d'information. D'ailleurs, je vous mets tous les liens. OK, les amis? Donc là, vous avez toute ma routine. Nettoyant visage. Il faut se nettoyer le visage quand même. C'est la base de la base. Niacinamide, c'est tout ce qui est excès de sébum, imperfection, pores dilatés. Ça régule vraiment votre peau. Ensuite, pour moi, le peptide pour un anti-âge parce que je suis un petit vieillard. Et ensuite, une crème hydratante pour hydrater sa peau, tout simplement. Et pour finir, la crème SPF pour protéger du soleil, pour pas que ma peau vieillisse et pour pas que les rayons du soleil dégradent tous les produits que je me suis mis sur la peau. Voilà les mecs, tout simplement.
La vidéo est finie, mais je vous parle du dernier produit qu'ils m'ont envoyé. Donc, c'est de la aloe vera. En fait, il y a de l'aloe vera à l'intérieur. C'est parfait pour les personnes qui ont des taches d'hyperpigmentation faites, qui sont venues plutôt après avoir eu des boutons, des cicatrices, etc. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont envoyé comme nouveauté. Donc, les mecs, voilà pour cette vidéo où je voulais vous montrer qu'en 2 minutes, vous faites votre routine easy et encore plus rapide si vous avez moins de produits que moi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura informé surtout, ou plutôt, vous aura donné envie de prendre soin de vous. Et comme je vous dis à chaque fin de vidéo, les amis, le visage, c'est la première chose qu'on voit de vous, donc prenez-en soin. Allez, peace les amis. I just gotta get through, cause I feel like taking off.